Bon matin à toutes et tous, on se retrouve eh bien pour la guidance et les messages de ce mercredi 4 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pensée positive de ce 4 décembre, notez ses objectifs. Couchez par écrit ses objectifs et ses priorités, ainsi les sortons de l'abstraction pour les ancrer dans la réalité. C'est une façon, n'est-ce pas, de s'en rapprocher. À méditer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la rose. La rose, c'est l'amour, et elle est dans la famille de l'aube. Alors, l'aube représente les premiers rayons de lumière du matin avant l'aurore. Eh bien, elle représente le commencement, le tout début. Et c'est pourquoi, dans l'oracle de cette famille de l'aube, elle est constituée, la famille de cartes en lien avec tout ce qui font notre chemin de vie. Les croyances, les choix, le monde imaginaire, nos transmissions, la joie, l'amour, notre capacité de raisonner, etc., etc. Eh bien, cette carte de l'aube, c'est que vous avez, que j'ai pigé aujourd'hui, eh bien, c'est que vous avez peut-être besoin de revenir sur certaines bases et de les remettre en question. L'aube est pure, n'est-ce pas? Et pleine de promesses, comme vous et vos projets. Alors, magnifique illustration, n'est-ce pas, qu'il y a sur la carte, cette belle rose, symbole de l'amour. Eh bien, on offre des roses rouges aux personnes que l'on aime. En effet, la rose rouge est le symbole du grand, grand, grand amour. Si, voilà, j'ai pigé cette carte, la rose, aujourd'hui. Eh bien, c'est que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes amenés à laisser l'amour s'incarner à travers vous. Oui. Posez-vous cette question. Vous avez tout, tout, tout pour agir avec amour et inspirer les autres. Alors qu'il s'agisse d'une rencontre amoureuse, d'un lien familial ou de l'amour au sens spirituel, eh bien, la carte, elle vient vous questionner sur la place que vous accordez à l'amour. L'amour est un sentiment et une posture. La carte de la rose vous parle de la posture. Lorsque l'on fait le choix d'incarner l'amour, c'est tout notre cœur, n'est-ce pas, qui s'ouvre. C'est ainsi qu'on développe, eh bien, l'empathie, le pardon, la tolérance, l'altruisme. Alors, être dans l'amour, c'est avoir confiance en la vie, confiance en l'autre. L'amour est puissant, n'est-ce pas, et rempli de sagesse. Eh bien, cette carte de la rose, elle vient vous interroger. Est-ce que vous diriez que vous êtes dans une posture d'amour? Seul, vous savez la réponse à cela. Êtes-vous plein de jugement ou bienveillant et empathique? Ça, c'est encore vous qui pouvez répondre à cette question. Est-ce que vous ressentez de la rancune envers quelqu'un ou une situation ou est-ce que vous avez pardonné? C'est encore vous qui allez répondre à cette question.
mais surtout, parle-t-on ici d'un sentiment développé envers les autres ou envers vous-même? Vous seul aussi pouvez répondre à cette question. Car voici une clé essentielle pour incarner et vivre dans l'amour. Eh bien, en premier lieu, c'est quoi à votre avis? Oui, je vous entends d'ici. Cela commence par vous-même. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous aimer les autres? Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, est le reflet de l'amour que vous vous portez. Eh bien, cette carte de la rose vous invite en priorité à vous donner davantage d'amour. Ça, c'est en premier. C'est avant tout le cœur ouvert et en vous sentant en paix que vous serez disposé à offrir ce que vous avez de meilleur. Alors, vous avez le choix, bien sûr. Bien sûr, vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix de laisser aller à des émotions parasites, à des pensées toxiques, ou bien à cultiver la sagesse, l'ouverture, la confiance, la douceur envers vous-même et envers tout ce qui vous entoure. Qu'allez-vous choisir? Cultiver l'amour, c'est comme semer des graines, n'est-ce pas? Vous allez récolter l'amour. Votre posture peut inspirer et faire germer de grands changements dans votre vie comme dans celle des autres, n'est-ce pas? Alors, cultive l'amour comme on cultive une plante, sème l'amour autour de toi comme on offre une rose. Revenez à vous. Il y a des questionnements à vous faire et il y a des choix pour améliorer votre vie. Que pouvez-vous mettre en place pour améliorer cet aspect, l'amour? Rester dans le positif ou rester dans le négatif? Rester dans l'empathie ou alors la critique? Vous avez le libre choix, mais bon, c'est encore une belle guidance à faire une introspection en soi. Et je termine, n'est-ce pas, avec le message de l'univers, le papillon. J'adore le papillon. Le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèretés. N'abandonne pas ta transformation. Elle est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Wow, quel beau message de l'univers. Wow, que c'est beau. Voilà, c'est un beau message. C'est vrai que c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une lumineuse journée dans l'amour, l'amour inconditionnel, dans l'empathie, la bienveillance, la tolérance. Et puis on se retrouve demain et d'ici là, moi je vous embrasse. À demain.